Coucou, bonsoir Christina, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christina, ça va? Donc ce soir c'est sophrologie. Est-ce que vous m'entendez bien? Tu m'entends bien Christina? C'est bon là quand je parle? Parce que c'est vrai qu'en sophrologie je ne parle pas très fort. Est-ce que c'est ok pour la voix? Super. Super. Très bien. Ok. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous pensez à vous, que vous prenez du temps pour vous un petit peu dans la journée, pour vous ressourcer, aller dehors, prendre l'énergie de la terre. Bonsoir Rita, coucou. Ça va. J'espère que tu vas bien. Je viens juste de commencer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez du temps pour vous ressourcer. Hein. Et que j'espère que vous vous reposez quand vous êtes fatigué, c'est important aussi hein, d'écouter son corps. Les filles vont bien apparemment. Donc, je reprends mes cours de gym à l'extérieur, Argentan, à la SPTT où je travaille. Je reprends le 6 mai, donc dans 15 jours, le lundi 6 mai. Je continuerai de faire des vidéos, hein, vous ne tracassez pas, je vous dirai ça. Ça sera certainement le lundi, le mardi et le jeudi. Voilà, lundi, mardi, jeudi. Non, toujours est-il que ouais, oui, je continuerai les vidéos de temps en temps, il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre le temps de s'installer. Donc, c'est sophrologie ce soir. Donc, une petite couverture, un coussin sous la tête. On se met allongé. Voilà, on trouve une position confortable. On s'installe bien confortablement. On ferme les yeux. Vous prenez conscience de votre respiration. Vous inspirez en gonflant votre ventre comme un ballon. Laissez votre ventre se dégonfler à chaque expiration. Imaginez qu'à chaque fois que vous expirez, que vous laissez partir tout ce dont vous n'avez plus besoin, la fatigue, les doutes. Laissez partir les soucis.
imaginez maintenant qu'à chaque fois que vous inspirez, vous laissez entrer en vous le calme, la sérénité. Expirez, vous lâchez complètement prise et vous laissez partir toutes vos limitations, vos peurs, vos soucis. Inspirez le bien-être, la sérénité. Inspirez la lumière. Expirez tout ce qui est lourd, tout ce qui est sombre. Inspirez la lumière, les nouvelles énergies. Et au fur et à mesure que vous respirez, votre corps lâche prise. Au fur et à mesure que vous expirez, que vous inspirez, tous les muscles de votre corps se relâchent, se détendent de plus en plus vers le sol. C'est comme si vous mettiez encore un peu plus de lumière à chaque inspiration pour nettoyer, purifier, ensoleiller. Et vous laissez maintenant votre respiration redevenir normale. Vous respirez calmement. 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 Et vous pouvez accentuer cette détente en répétant mentalement plusieurs fois de suite: je suis calme, je suis très calme, vous laissez tout simplement votre ventre respirer. Votre respiration est calme. Chaque inspiration, chaque expiration devient régulière. Régulière comme le flux et le reflux de la mer. Et sentez combien cette respiration accentue votre état de détente.
Vous allez vérifier maintenant si tous vos muscles sont bien relâchés. Vous portez votre attention sur votre visage. Vous relâchez les muscles du front, les paupières. Vous relâchez les muscles, les petits muscles autour des yeux. Vous relâchez les joues. Les lèvres et le menton. Vous décontractez parfaitement votre mâchoire inférieure. Vous décollez la langue du palais. Et vous laissez la bouche légèrement entrouverte. Tout votre visage s'apaise. Même la peau de votre visage vous semble détendue. Vous prenez entièrement conscience du poids de votre tête. Et vous lâchez complètement prise. Vous laissez complètement aller dans la détente. Cette sensation agréable descend le long de votre nuque et vous relâchez votre nuque. Laissez complètement tomber les épaules vers le sol. Mettez toute votre attention sur votre dos. Descendez mentalement le long de la colonne vertébrale jusqu'en bas. Arrivé en bas, vous remontez en sens inverse pour essayer de relâcher encore un peu plus tous les muscles de votre dos. Laissez complètement tomber les épaules vers le sol.
Pensez à vos deux bras, les mains et les doigts. Vous relâchez chaque doigt jusqu'aux ongles. Le dessus des mains, la paume des deux mains, les poignets, vous décontractez parfaitement les avant-bras. Les coudes. Les biceps. Vos deux bras sont complètement détendus. Tous les muscles se relâchent et cette sensation agréable se communique maintenant dans vos deux jambes. Vous ne pensez qu'à vos pieds. Les orteils. Le dessus des pieds. Prêtez une attention particulière à la voûte plantaire. Vous laissez les talons s'enfoncer vers le sol. Les chevilles. Vous décontractez parfaitement les mollets. Les genoux, les cuisses, vos deux jambes sont détendues. Et cette sensation agréable remonte jusqu'à votre bassin. Votre bassin se détend. Vous laissez bien retomber votre ventre. Vous visualisez vos hanches. Et vous laissez complètement s'écraser les fesses vers le sol.
Sentez votre conscience dans votre buste maintenant. Relâchez tous les muscles de la cage thoracique. Tout votre corps est détendu. Votre respiration est calme, très calme. Votre visage est tellement détendu que vous n'avez plus du tout envie d'ouvrir les yeux. Vos paupières sont lourdes. Agréablement lourdes. Et vous repensez à nouveau à vos deux bras si vous le voulez bien. Imaginez une lourdeur envahir vos deux bras. Imaginez vos bras lourds, lourds, de plus en plus lourds, comme si vos bras étaient devenus de plomb. Vos bras sont lourds. Et cette lourdeur agréable se communique maintenant dans vos deux jambes. Vos jambes sont lourdes à leur tour. Lourdes. Très lourde, de plus en plus lourde. Vos jambes sont lourdes, comme si elles étaient devenues de plomb. Et cette lourdeur bienfaisante remonte jusqu'à votre bassin. Votre bassin est lourd, agréablement lourd. Dans votre buste, votre buste est lourd à son tour. Agréablement lourd. Tout votre corps est lourd à présent. De plus en plus lourd. Comme si votre corps était devenu de plomb. Et c'est une sensation très agréable, très agréable. Votre corps est tellement lourd qu'il vous semblerait impossible de le bouger. Et cette sensation de lourdeur
que vous ressentez ici et maintenant. Accentue votre état de détente. Vous êtes de plus en plus calme. Imaginez maintenant que vous êtes dans une magnifique forêt. Il fait chaud. Une belle journée de printemps. Le soleil brille au-dessus de votre tête. Vous respirez tous les parfums. Vous écoutez le silence de la nature, les oiseaux, le vent. Vous respirez ce calme de la forêt, cette paix. Une paix. Vous vous posez le dos adossé à un arbre. Et vous levez le visage vers le soleil. Vous prenez l'énergie solaire. Vous sentez une onde de chaleur parcourir vos deux bras. Vos bras deviennent chauds, chauds. Vos jambes deviennent chaudes à leur tour. Une onde de chaleur qui circule dans vos deux jambes. Vos jambes sont chaudes, chaudes. Et cette chaleur douce remonte jusqu'à votre bassin. Votre bassin est chaud. Votre bassin est chaud. Chaud. Tout votre ventre se remplit de la chaleur du soleil. Et vous laissez les rayons du soleil toucher votre cœur. Tout votre buste devient chaud à son tour. Merveilleusement chaud. Votre corps est chaud, de plus en plus chaud, au contact du soleil. Votre corps est chaud, de plus en plus chaud. Et cette chaleur vous donne encore un peu plus de douceur. Encore un peu plus de réconfort. Vous vous sentez en paix dans cette forêt. En paix avec vous-même. Votre cœur respire la paix, toute cette paix qui vous entoure. En prenant l'énergie de la terre sous vos pieds, adossée à cet arbre, vous prenez aussi l'énergie du ciel.
du soleil. Ça semble bien bon. Et vous appréciez cet instant, ici et maintenant. Et dans cette forêt, maintenant, je vais compter jusqu'à 10. À 10, tout votre corps sera engourdi. Je compte 1, 2. Vous sentez un léger engourdissement dans vos deux bras. Vous sentez un léger engourdissement dans vos deux jambes. 5. 6. Votre bassin s'engourdit. 7. Votre buste s'engourdit à son tour. 7. 8. L'engourdissement est de plus en plus fort dans tout votre corps. 9 et 10. Tout votre corps est engourdi. L'engourdissement est total. C'est une sensation très, très agréable. Très agréable. C'est comme si tout à coup vous ne sentiez plus du tout votre corps. Comme si votre corps n'existait plus. Seul votre esprit a gardé toute sa vigilance. Votre esprit a gardé toute sa lucidité. Et adossé à cet arbre, vous sentez l'énergie circuler de plus en plus, l'énergie qui coule dans votre corps de la tête aux pieds, des frissons d'énergie, des courants d'énergie. L'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Votre colonne vertébrale pétille d'énergie. Tout votre corps est énergie. Vous êtes énergie. C'est un véritable bain de jouvence. Une véritable régénération. Et vous soupirez de bien-être. Et cette paix intérieure, ce calme intérieur dans lequel vous êtes, ici et maintenant, vous allez le distribuer, le donner aux parties de votre corps qui souffrent, ou aux parties de votre corps émotionnel qui demandent réconfort, attention, écoute.
soyez complètement à l'écoute de cette douleur physique ou cette douleur émotionnelle. Et imaginez cette énergie fusionnée, pénétrer, traverser, couler, circuler. Pour dissoudre, pour effacer, pour enlever. Faire disparaître toute douleur, quelle qu'elle soit. Laissez agir cette paix comme un baume sur cette partie de vous-même qui réclame votre attention. Mettez-y plein d'amour. Aimez cette partie ou ces parties qui souffrent, aimez-les, bercez-les virtuellement, caressez-les, embrassez-les, dites à cette partie qui souffre que vous l'aimez. Parlez à cette partie de votre corps qui souffre physiquement ou émotionnellement. Demandez à votre soi supérieur, à votre soi divin, cette douleur, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est comme si laissez venir une image qui représente cet état. Ouvrez cette partie de votre corps qui souffre. Ouvrez cette partie comme une fleur qui s'ouvre pour accueillir l'énergie de paix de cette forêt. L'énergie de paix intérieure dans laquelle vous êtes ici et maintenant. Pour y déposer au cœur de cette fleur tout votre amour. Votre reconnaissance envers ce corps qui vous permet de marcher, de parler. Enrayez ce processus de guérison par l'amour, cette énergie qui coule en vous librement, facilement. Nourrissez cette fleur qui représente l'ouverture complète maintenant de ses pétales pour guérir cette partie souffrante.
votre corps énergie augmente son état vibratoire. Maintenant que ce travail est fait, votre corps continue son processus de guérison, augmente encore son état vibratoire, afin que vos cellules
vibre dans l'alignement de la guérison. Votre corps physique, votre corps émotionnel. Vous remerciez encore vos cellules, ce corps qui vous appartient. Et vous revenez ici et maintenant, dans la pièce où vous êtes allongé. Toute sensation de lourdeur disparaît complètement. Toute sensation d'engourdissement disparaît complètement. Vous écoutez les bruits extérieurs. Voyez les lumières à travers vos paupières closes. Vous respirez profondément pour faire revenir la force et la vitalité dans tout votre corps. Vous bougez les doigts, vous bougez les pieds, les orteils, et vous vous étirez comme un chat, vous bâillez, vous frottez votre visage, vous avalez votre salive, vous mouillez vos lèvres. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Coucou Vincent, coucou Jean-Brice, Patrick, Jérôme, coucou Vincent, j'espère que tu vas bien. Prenez le temps de revenir. Comment vous vous sentez? Ok. J'espère que vous avez travaillé sur vos émotions. Et si vous aviez une douleur physique quelque part aussi. Alors, je ne sais pas si les personnes... Si vous venez juste de vous connecter, si c'est le cas, je vous invite à refaire la séance de méditation, enfin la sophrologie depuis le début, c'est beaucoup mieux. Voilà. Inscrivez-vous à mes nouveaux liens sociaux, s'il vous plaît, pour qu'on reste toujours connecté, pour si Facebook. Et YouTube, parce qu'il y a beaucoup de censure, beaucoup de... Ça marche très très mal. Donc, allez sur VK, Odyssée,
sous chaque vidéo que j'enregistre sur ma chaîne YouTube et sur, oui, sur ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron, sous chaque vidéo, vous avez les nouveaux liens. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous à mes nouveaux liens. Allez sur mes nouveaux réseaux sociaux, c'est très très important. Très très important. Comment vous vous sentez? Alors si vous avez envie de rester dans cet état de réception, ben, vous continuez. Hein. Sinon pour les autres, et ben, si vous avez envie de mettre des petits messages sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Laissez des commentaires. Les douleurs sont parties. Alors Gérard, bonsoir Gérard, la sophrologie est terminée Gérard, donc je t'invite à refaire la sophrologie depuis le début quand je vais avoir enregistré et partagé cette vidéo, voilà, merci beaucoup pour les nouveaux qui arrivent, merci beaucoup pour les gens qui sont très très fidèles, je vous rappelle que à partir du 6 mai, je vais être beaucoup moins présente, mais je vais continuer quand même les vidéos parce que je reprends mes cours de gym à l'extérieur, à la SPTT où j'habite. Donc, je continuerai les vidéos, mais beaucoup moins. Au lieu de faire une vidéo par jour, j'en ferai peut-être 2 ou 3 par semaine. Voilà. Donc, ne vous tracassez pas, je continuerai d'œuvrer pour la planète, d'être à votre service, pour vous aider à distance, pour travailler l'énergie du moment. C'est très important de rester unis dans le cœur et de rester connecté dans ma âme, quoi qu'il arrive. Voilà. Et je continuerai la sophrologie, la méditation, ne vous tracassez pas pour que vous puissiez toujours entretenir et cultiver votre sérénité intérieure. Puisque la sophrologie et la méditation, c'est très important. C'est pour vous aider à prendre du recul, à relativiser les choses. Et puis de temps en temps, je ferai aussi un auto-soin et des soins à distance. Voilà, voilà. Donc ça sera à partir du 6 mai. Vous avez encore toute la semaine prochaine pour une vidéo par jour. J'ai prévu plein de belles choses. Vous avez peut-être vu les événements que je vous propose. Donc voilà, plein de choses, du chant vibratoire, la musique, du son. Le son vibratoire du calice travaille beaucoup sur vos douleurs physiques, travaille aussi sur vos émotions. Ça vous nettoie, ça nettoie l'aura, ça purifie les pièces, etc. Et ça augmente le taux vibratoire de la personne, ça vous protège. Donc n'hésitez pas à faire toutes ces vidéos pour votre plus grand bien. Et je suis à votre service. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous. Donc demain, on est mardi. Oui, c'est ça, mardi. Donc mardi, c'est le champ vibratoire avec le calice, justement. Le son. Qui peut guérir aussi, hein. Voilà, donc on s'allonge et puis vous écoutez. Je vous retrouve demain à 18h, voilà. Rita, je devrais faire la sophrologie juste avant de dormir pour ne pas mouliner comme tous ces jours-ci. Je mets des heures à m'endormir. Oui, c'est vrai que tu pourrais faire la sophrologie au moment du coucher, c'est vrai. Comme ça, tu t'endors, tu éteins juste ton portable, si c'est le portable, hein, ou ton PC, je ne sais pas. Tu éteins
Tu te lèves juste pour enlever le téléphone de ta chambre ou le PC, et après, hop, tu retournes au lit vite fait, et tu retournes dans les bras de Morphée. Ça aide beaucoup, oui, pour dormir, bien sûr. Voilà, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Belle soirée à tout le monde, les filles, les garçons. Belle soirée. Je vous dis à demain, 18h. Pensez à vous, reposez-vous bien. À demain. Bisous, bisous, à demain. Bisous à tout le monde.